Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour discuter de quelques idées. On est vraiment dans un moment qui est complètement exacerbé, mais bon, il faut s'occuper de soi, faut s'occuper. On est vraiment proche d'un grand tournant. On est en plein dans le portail du lion. Si on se tourne vers le soleil central grâce à notre intention, on peut commencer à recevoir toutes ces énergies. Et donc, c'est important de rester dans la compassion plutôt que de la critique, hein, actuellement. Ça va être très important parce que si on critique, on s'oppose à quelque chose et on se retrouve confronté à alimenter quelque chose qui n'est pas voulu. Donc, il faut essayer d'avoir de la compassion pour nous-mêmes, pour les autres. Utiliser l'humour quand il n'y a pas d'amour, hein, quand on ne voit pas l'amour, utiliser l'humour. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu cette blague, la blague d'hier, que je trouvais assez fine, assez drôle, c'est Emmanuel Macron qui demande « Pourrais-je avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît ?» Et Poutine et Medvedev qui lui répondent « Avec ou sans gaz ?» Petite blague. Sinon, ben, en France, on a une arme énergétique, hein, qu'on n'a pas encore sortie, c'est les Shaddock. Pour tous ceux qui connaissent les Shaddock, ils pompent pour alimenter la communauté des gibbies, qui sont tous ces petits chiens avec des chapeaux melons. Tout ça, c'est des. Ah, il y a une carte qui s'est échappée. On va voir quelle est la carte de la journée, ce que les anges veulent nous communiquer. C'est la lumière. Il y a vraiment toute cette lumière qui arrive, hein, donc il faut arriver à rester bien concentré dessus. Parce que quand notre conscience est exposée à des choses horribles, hein, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de choses horribles qui existent dans le monde, malheureusement. Et donc, mais c'est pas vraiment notre responsabilité. Mais enfin, on peut envoyer de la lumière pour résoudre la situation ou prier Dieu que la guérison se trouve. Le pouvoir de demander au Créateur à travers notre intention est très très puissant, hein, et avoir de la gratitude comme si c'était déjà passé, de résoudre la situation. Les prières doivent venir du cœur, hein, elles sont essentiellement. Comprendre aussi que tous les outils spirituels, ils sont excellents jusqu'au moment où ils fonctionnent plus. C'est comme si la vie nous dit, bon, ça y est, ça fonctionne plus. Il faut trouver autre chose, il faut avancer, il faut trouver quelque chose d'autre. À chaque niveau, on est vraiment guidé de moment par moment vers des nouveaux niveaux. Et donc, il faut apprendre à utiliser les outils qui nous sont donnés, puis savoir qu'est-ce qui fonctionne. Cela dit, plus utile de tous les outils, c'est le matin, mais plusieurs fois dans la journée, c'est se rappeler, se tourner vers la lumière divine à l'intérieur de nous, hein. Se connecter à cette lumière, à cette divinité, parce que ça, elle a vraiment beaucoup, c'est vraiment le but de toute la manœuvre, hein, éventuellement. Et aujourd'hui, on s'approche du gouffre, hein. Il va y avoir des décisions à prendre, des choix à faire. Mais enfin, oui, justement, c'est important de savoir où on va. C'est très important de savoir où on veut aller, parce que il y avait un philosophe qui s'appelait Sénèque, qui est un philosophe stoïque, qui est assez fiable, hein, même Jean-Jacques Rousseau avait dit dans son dernier livre, Les rêveries d'un promeneur solitaire, que c'est le seul philosophe qui ne l'a jamais laissé tomber. Sa philosophie l'a toujours servi. Et il disait, si on ne sait pas, si on part dans un bateau, mais on ne sait pas vers quel port on va, aucun vent nous sera favorable, hein, on va tourner en rond. Donc il faut savoir où on veut aller. C'est-à-dire que c'est aller vers ce point de liberté, une vie de grâce et de facilité, tout en sachant que le monde physique va continuer de se décomposer, hein, ça devient complètement exacerbé. Tous ces leaders politiques de l'Union européenne, des États-Unis, on voit très bien que tout ce qu'ils font va contre l'intérêt du bien commun. Et donc, enfin, ils sont pas même pas, eux, ils ne font que suivre les ordres des contrôleurs qui leur donnent les ordres, hein. Donc, tout ça va se révéler. Comme Shakespeare disait, l'enfer. Non, je crois que c'est dans une pièce qui s'appelait La Tempête. Il faudrait que je le relise. Il disait, l'enfer est vide. Tous les diables sont déjà sur terre. Hein. C'est-à-dire que bon, tout ça, c'est en train de s'expurger. Hein. Donc, il faut vraiment essayer de maintenir notre compassion, notre sérénité. Ouais, bah, je vous remercie pour votre encouragement par rapport à tous ces efforts de nettoyage, par rapport à le tabac n'est pas un problème. Quelques produits que ce soit n'est jamais le problème. Le problème, c'est l'influence qu'il a sur nous. Parce que bon, au XXe siècle, tous les intellectuels fumaient. Einstein fumait, c'est pas parce qu'il était spirituel et ça l'a pas empêché de faire des découvertes. Les Américains indiens mélangent la sauge et le tabac dans leur cérémonie rituelle pour la sauge, pendant 15 minutes, on connecte au monde spirituel et la sauge empêche le tabac d'être addictif. Donc, même Merlin, dans ses cours, quand on va dans ses écoles de mystère, la première chose qu'il fait, il s'assoit, il allume une pipe. Mais enfin, il disait, nous, on n'a pas de poumons, donc bon, c'est pas trop gênant, on peut fumer. Moi, c'est plutôt
Donc c'est juste un contrôle. Mais enfin, je vous remercie, hein, chaque chose. Il faut pas se juger soi-même. La culpabilité du pro, parce qu'on canalise avec le cœur. Donc c'est si le cœur est ouvert, peu importe. Dieu n'est pas limité comme l'humain peut se sentir être limité. Et cela dit, au plus on est pur, au plus on peut se rapprocher de la source. Mais le Créateur sait déjà où depuis nos intentions, il voit les causes et les effets. Il a déjà la vision de l'endroit où on va aller. Donc il faut pas trop s'inquiéter. Il faut enlever la culpabilité sur les choses pour pouvoir justement se désengager de certains procédés. Et donc continuer à connecter, à se ressentir cette lumière intérieure, hein, et le recevoir. Bon, je vois un petit peu la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est les fardeaux. Faut se débarrasser des fardeaux, faut arrêter d'écouter les autres, faut s'écouter soi-même, il faut écouter son plus haut sens. Ici, c'est quelqu'un qui porte quelqu'un qui a un coq sur la tête, et donc c'est l'autre personne qui lui dit où il faut aller. Donc c'est vraiment, faut se lâcher prise de tous ces fardeaux, hein, chacun des fardeaux différents. Mais bon, en les oubliant, on lâche prise. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. D'abord que tout ça sert à l'évolution. Au plus on a confiance, au plus on a la foi, au plus les choses vont se développer vite. Ce qu'il faut faire, c'est lutter. C'est le fighter. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de lutter contre l'homme. À l'intérieur du procédé de dualité, mais il y a besoin d'un certain contrôle sur le mental émotionnel pour arriver à le discipliner afin de pouvoir avoir une direction. Et donc c'est aussi la carte de l'intuition, hein, c'est l'intuition. On est en train d'abandonner toutes sortes de petits modèles de croyances pour en développer un seul plus grand. Et l'aboutissant, c'est la maîtrise, c'est le devenir maître ascensionné, devenir maître de soi-même. Comme Platon disait, pour être maître de soi-même, ça veut dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qui peut être esclave de nous-mêmes. Donc en étant tempérant, quand la partie lumineuse est dominante, on devient maître de soi-même. Quand la partie obscure est dominante, on devient intempérant, on devient esclave de soi-même. C'est dans la République de Platon. Mais enfin là, on est en train de vraiment d'atteindre, c'est pas une question de s'adapter à des philosophies, enfin la philosophie a priori pour moi ça reste quand même, il y a plein de choses qui ont déjà été expliquées sur la vie bonne, sur la manière dont les choses fonctionnent, mais c'est vraiment, on doit trouver cette voie qui est unique à nous-mêmes, hein, de toute manière, et c'est l'aboutissant, on est en train d'être préparé pour cette ascension, pour cette maîtrise de nous-mêmes, de soi-même, et donc voilà, hein. Savoir que bon, tous ces gens qui sont au pouvoir actuellement sont vraiment dans le désespoir, hein, ils sont dans le désespoir et la peur, ils font semblant d'être toujours en contrôle, et donc faut pas les opposer directement, parce que c'est comme des animaux blessés, hein, des animaux blessés, ils seront prêts à tout pour se défendre. Donc faut leur envoyer de la lumière, de l'amour, rester neutre, compassion, et savoir que bon, il y a un plan divin qui est en train de se dérouler, hein, c'est une question de confiance aussi, et sinon... Voilà, hein, donc je veux pas trop. Mais bon, quand les choses deviennent trop lourdes, c'est bien de pouvoir savoir que on remet tout à l'exil de l'ignorance, hein, Spinoza. Hein, je sais que je ne sais pas. Je remets les choses dans les mains du Créateur. Quand on sait, Dieu doit nous dire si on t'a donné une information et que t'as le pouvoir de faire quelque chose, me demande pas de le faire pour toi. Par contre, quand on ne sait pas, on peut avoir confiance de justement remettre les choses dans les mains du Créateur. Et bon, et c'est quand même très ambitieux de vouloir devenir un avec l'un, hein. Ça demande beaucoup de préparation, cette ascension quand même, parce qu'on est en train de transmuter des énergies qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais bientôt continuer avec cette chaîne, mais je vais ouvrir une chaîne en français, une nouvelle chaîne en anglais, et où je vais communiquer sur d'autres idées, d'une manière un peu différente, et toutes sortes de préparations, beaucoup de travail devant, hein, si vous avez des idées, des choses, il faut savoir quelle est la direction, qu'on faut donner une direction à la vie, hein, on peut pas être juste toujours subir les choses qui viennent, même si on écoute la guidance, à un moment donné, c'est nous-mêmes qui inspirons le flow, et la guidance s'adapte à ça pour nous guider vers ce qui est voulu. Donc, je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson assez marrante. C'est d'un film assez marrant, mais pas pour les enfants. Hein. C'est l'humour noir. Ça s'appelle Happiness. C'est un film un peu bizarre sur le... Bah, cette chanson, c'est quelqu'un qui recherche le bonheur et qui dit, même dans les pires des situations, je ne vais jamais m'arrêter de rechercher le bonheur. Ça s'appelle Happiness. Goes like this. Seems that the things I wanted in my life I've never got. So it's no surprise that living only leaves me sad.
Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Happiness, sometimes I think I see you from afar. When I run to catch you, though, that is not where you are. Happiness, I know I'll get a hold of you someday. Until I do, I know I'll keep on searching every day. Happiness, where are you? I searched so long for you. Happiness, what are you? I haven't got a clue. Happiness, why do you have to stay so far away from me? Gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness, gonna find it, gonna find it, gonna find my happiness. When I'm in despair and life has turned into a mess, I know that I don't dare to end my search for happiness. Happiness, where are you? I haven't got a clue. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Happiness, where do you have to stay so far away from me? Gonna find it, gonna find my happiness, gonna find it, gonna find it, I'm gonna get to you, gonna find my happiness. On a trouvé le bonheur, la recherche du bonheur, c'était quelque chose justement que le maître Saint-Germain avait réussi à inclure à la fin de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et la recherche du bonheur, c'est quelque chose, un droit souverain, hein, vraiment. Même si Platon nous explique que le bonheur vient de cultiver les vertus. Alors, et c'est quelque chose qui peut être durable comme un état choisi, alors que le plaisir ne nous apporte pas le bonheur, il nous apporte le plaisir, lui vient des vices. Ben bon, ça c'était un peu au niveau fondamental. J'avais tiré une carte pour la journée, c'était la carte du soleil, hein. C'était Uriel qui nous apprend qui nous explique que bon, tout le bonheur est là, hein. Donc, enfin bon, on doit comprendre que tout a une raison d'être et on doit trouver l'équilibre. Aujourd'hui, on a l'archange Jérémiel qui nous parle d'un nouveau départ, commencer une nouvelle vie, trouver un but. C'est important d'avoir cette direction, hein. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc c'est bien de pardonner à tous ces gens qui ont pu effacer tous les karmas pour pouvoir être libre, pour pouvoir être léger. Et puis se laisser guider moment par moment quand même, parce que bon, on reçoit des informations de plus en plus claires qui viennent de notre moi supérieur, qui ont été autorisées de se rapprocher de notre conscience terrestre. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.